Des lottes, du thon et même des poulpes, tous suspendus dans une salle de maturation comprise entre 0 et 2 degrés. Un frigo unique en France, importé du Japon par le chef étoilé Mauro Colagreco. On a réfléchi à ces concepts de restaurant autour de la mer. Mais on a réfléchi aussi comment on pouvait faire pour travailler le plus local possible en tenant compte de l'environnement aussi et d'une pêche locale responsable. Cette pièce permet ainsi de conserver les poissons frais jusqu'à 3 mois et de s'adapter aux conditions météo de la pêche. Ce jour-là, le chef exécutif du restaurant réceptionne la marchandise. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Ah, regarde. Waouh. De la belle soupe. Conserver les poissons permet aussi de modifier leur goût et leur texture grâce à un ingrédient phare, le sel, présent sur les murs de la chambre de maturation. Il contribue à enlever l'humidité et les bactéries. Exemple avec cette ventrèche de thon. Automatiquement, si on perd dans l'eau, on a la concentration de la salinité et de tout ce qui est le goût du poisson et de l'iode de chaque poisson. Donc ça fait un poisson quoi, plus salé, c'est ça? Pas plus salé, c'est concentré. Une cuisine atypique, située au dernier étage d'un restaurant à flanc de falaise, entourée de bleu où tout est pensé, de la mer jusqu'à l'assiette.